Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce premier numéro de Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Le premier numéro pour l'an 2015 que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous revenons sur des questions d'actualité. La première, elle concerne la loi électorale. Évidemment, les deux camps qui sont divisés à propos, l'opposition qui ne veut pas que l'on puisse toucher à aucun article de cette loi électorale, alors que la majorité veut évidemment élucider, mieux modifier certains articles pour adapter cette loi par rapport en réalité, vu certaines irrégularités qui avaient été constatées en 2011 lors des élections. Voilà le gros de ce magazine Carrefour d'analyse que nous avons le réel plaisir de vous présenter avec les invités qui sont déjà avec nous sur ce plateau. L'opposition a évidemment ses représentants. D'abord, M. Théo Félé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, nos téléspectateurs. Adieu l'année 2014. Bienvenue l'année 2015. Et nous profitons de l'occasion pour présenter nos vœux les meilleurs à vous tous et à mes amis, frères, avec qui nous sommes sur ce plateau. Bien, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Katanga, l'UFC, l'Union des Forces du Changement nous fait également l'honneur d'être avec nous dans ce magazine Carrefour d'analyse. Et ce sont président interfédéral qui est avec nous, M. Adelard Koufi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir M. José, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et surtout à mes co-débatteurs de ce soir, mes bien-aimés amis à qui je souhaite pratiquement mes vœux le meilleur, de bonheur, de santé, de prospérité. Bien, enfin, la majorité, elle est représentée par M. Momo Moulapou. M. Momo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver vivant. Ce n'est pas donné chaque jour. Je crois que nous bénéficions vraiment d'un moment immense. Meilleurs vœux à vous aussi, nos amis les téléspectateurs et les auditeurs. Je crois que nous sommes heureux de pouvoir encore vous servir, à dire ce que vous pensez, et nous le disons pour votre compte, pour le bien de nous tous, pour le bien d'un grand Katanga, d'une grande RDC. Bien, la première question, elle concerne la loi électorale. Nous commençons avec vous, M. Momo. La majorité veut justement bouger certains prescrits de cette loi, puisqu'il y a irrégularité en 2011 qui était dénoncée d'ailleurs par l'opposition. Et cette opposition qui dit non, il ne faut pas toucher. Votre point de vue. D'abord, l'opposition de notre pays, comme j'ai toujours dit, souvent elle se caractérise par une faiblesse grave qui consiste à confondre opposition et nihilisme. C'est-à-dire, ils disent non à tout. Ils ne veulent pas que la majorité prenne une initiative, même pour résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas seulement le cas de la loi électorale. Nous avons aussi beaucoup de cas, le cas le plus patent. Et nous croyons que nos amis de l'opposition devraient revoir leur manière de présenter les choses. Nous avons une loi électorale, nous avons des plaintes. Notre objectif, c'est de minimiser le plus possible les plaintes. Ça ne sert à rien d'aller aux élections et d'être déjà sûr qu'à la fin, il y aura contestation. Je crois que ça ne sert à rien de faire des choses juste pour amuser la galerie. Il faut que nous soyons capables de nous assumer. Quand nous disons que nous voulons un changement, il faut qu'on accepte les changements. Malheureusement, au Congo, ce n'est pas ça. Les gens ne respectent ceux qui sont dans la majorité. Ils ne veulent pas respecter la majorité, ceux qui ne veulent pas être dans l'opposition. Ils ne veulent pas respecter ce que dit l'opposition. Donc finalement, dans ce pays, la culture politicienne, la culture politique, l'élégance politique, la noblesse de la politique, les gens ne la connaissent pas. Et par rapport à cette loi électorale, vous pensez qu'il y a eu des irrégularités en 2011, lesquels le savent, et l'opposition dit qu'il ne faut pas toucher, il faut laisser qu'on aille aux élections avec la même loi électorale. Non mais écoutez, c'est ce que je dis. On doit nécessairement toucher parce que nous ne voulons pas avoir une république de plaintifs. Nous ne voulons pas que demain, nous allions à une élection avec un Théo Félé qui est déjà programmé pour échouer. Nous voulons qu'il y ait une élection où tout le monde a les mêmes chances. La république n'est république, la nôtre, que si elle peut garantir à tout le monde les mêmes chances, y compris aux gens de l'opposition. Même si cela leur déplaît, le peuple congolais est le juge. Il est le juge en nous donnant la majorité. Il nous donne les pouvoirs de faire des lois en fonction de tout le monde.
Ce n'est pas que nous faisons ces choses là-bas pour notre intérêt. Mais que dites-vous de cela? Parce que si on bouge ou on touche à cette loi électorale, c'est évidemment pour écarter certaines personnes qui auraient des ambitions politiques. Non, le problème est celui-ci. Vous savez, nous avons eu 18 000 candidats, 18 500 candidats pour un parlement de quoi, de 500. Donc nous avons eu 18 000 frustrations, certaines fondées. Difficile à gérer. Oui, non, certaines fondées, certaines non fondées. Mais dans cette bouillabaisse là-bas, dans cette calégabasse pleine de crabes, comment est-ce qu'on peut définir quoi? Qui a raison et qui a tort? C'est à peu près compliqué. Alors, nous ne pouvons pas faire une république où le monde entier nous prend comme modèle de désordre. Nous devons faire une république qui donne aussi un certain quoi. Écoutez, et puis qu'est-ce que je veux dire? Il faut répondre à l'essentiel de la politique. La politique, ce n'est pas de donner le pouvoir à certains. Le rôle de la politique, ce n'est pas de donner le pouvoir à certains. Le rôle de la politique, c'est de donner le pouvoir à ceux qui peuvent garantir le mieux-être d'accord. à tout le monde. Merci, M. Momo. On va revenir à vous. M. Théophile, loi électorale de la République démocratique du Congo, que peut-on retenir comme votre point de vue par rapport à ces divisions qui règnent au sein de la classe politique congolaise? Merci. La loi, c'est pour nous tous et elle doit être pour nous tous. Mais ce que nous craignons et ce que nous décidons d'abord comme erreur, comme raté, vous savez comme moi, quand on convoque une session extraordinaire, c'est pour deux possibilités. Par le fait que les matières inscrites à l'ordre du jour n'ont pas été épuisées, ou alors il y a une matière spéciale, cette fois-là, on peut convoquer la session extraordinaire. Mais dans le cas d'espèce, les matières qui sont restées en suspens, on n'a pas parlé de la loi électorale. À d'abord, ce premier fait. Ce n'était pas figuré sur l'ordre du jour de la session ordinaire. Mais maintenant, on appelle les gens pour achever les matières inscrites à l'ordre du jour et subitement, on parle de la révision de la loi électorale. Mais parce que nous devons parler de la loi électorale, ce qui est marrant, Momo a parlé, mais c'est amusant parce qu'on veut toujours nous prendre comme le modèle de la médiocrité parce que nous-mêmes, nous voulons cette phase de médiocrité. Au moment où nous parlons, le 2 janvier, on devait déjà déposer les candidatures pour les municipales et les locales. Ce qui est prévu, évidemment. Qui est prévu par Maroma. Alors, là aussi, je trouve que c'est marrant et ça me frustre un peu. Dans des pays où les choses sont bien établies et là où les gens se respectent, ce sont les lois qui viennent avant les calendriers. Et non le calendrier avant les lois. Non le calendrier avant les lois. Maroma avait déjà présenté un calendrier où il a parlé des élections municipales, locales et même provinciales en 2015. Et nos amis qui sont à l'Assemblée ont accepté ces calendriers-là. Il y en a aussi qui l'ont appuyé. Personne n'a contesté. Aujourd'hui, subitement, le calendrier est là. On vient pour modifier la loi. Ce que tout doit être retardé et revu. Donc, c'est ça. Tout doit être revu et déclassé. Mais pourquoi avons-nous soutenu le calendrier au lieu de dire à monsieur la CENI, monsieur, attendez que les lois soient là, vous viendrez avec votre calendrier. Et au regard de ces faits, qu'est-ce qui doit être fait? Mais oui, mais d'abord, c'est le calendrier, c'est la loi qui vient. Et après le calendrier, parce que le calendrier s'adapte à la loi. Mais lui avait publié le calendrier que les membres de ceux qui se trouvent dans cette assemblée ont soutenu. Aujourd'hui, subitement, on revient pour revoir la loi. Et cette loi, quand bien même elle est revue à ce niveau-là, ça doit passer des étapes pour être promulguée. Ce que même le calendrier lui-même est rejeté. Et donc, et même les élections, au regard de vos analyses, donc, les municipales que, peuvent être repoussées. Non, rien ne sera fait. Parce que si c'est une session extraordinaire, la loi, on n'a même pas encore commencé à discuter, elle va suivre le parcours normal jusqu'à sa promulgation. Et le calendrier pourra venir. Alors, vous voyez que jusque-là, on est en train de nous distraire avec tout ce qu'on est en train de faire. Et vous avez suivi le message de vœux. Encore une contradiction flagrante. Pendant que le calendrier est là, nous commençons à réviser la loi électorale, qui n'est pas encore promulguée, mais on dit, cette année ici, nous devons aller aux élections municipales, locales et provinciales. Est-ce que ce n'est pas une distraction, ça? Je suis d'accord qu'aujourd'hui, Momo reconnaisse que souvent on nous considère comme le modèle de désordre, mais le désordre est créé par nous-mêmes. Et comment corriger ça? Ça devient trop tard. Si nous devons respecter les textes, parce que les lois c'est pour nous tous, il n'y a pas de loi pour lui pour, ou pour moi, c'est pour nous tous. Donc nous devons nous conformer à ces lois-là. D'accord. Comme l'a dit un musicien, excusez-moi, vous avez monté le feu rouge, mais quand vous avez votre véhicule, vous arrivez devant le feu rouge,
Dès que le feu rouge s'allume, vous devez vous arrêter, comme tout le monde, bien que vous êtes inventeur. D'accord. Bon, je pense que c'est ça que nous devons considérer. Merci, ici. M. Félix. On va revenir à vous. M. Adela, à votre point de vue. Merci beaucoup, merci pour la question. Je crois que Théophile a été excellent pratiquement dans ce qu'il a dit. Et je crois que c'est pratiquement mon point de vue également, puisque avoir les choses, la manière dont les choses se déroulent, et tout porte à croire qu'on est en train de faire sciemment, de laisser passer le temps pour qu'on se retrouve dans une situation de fait plus tard. C'est ça même le sens de l'intervention de mon bien-aimé Théophile. Mais sinon, il y a un élément très important à ajouter pour ma part, c'est-à-dire nous qui défendons la cause liée aux concertations nationales. Je crois que nous avons quand même un certain nombre de principes sacro-saints inscrits dans notre vademecum en rapport avec les dites concertations nationales. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? Pratiquement, il a été souligné qu'en toute chose, ça c'est le point capital, il fallait absolument un certain consensus. Même s'il faut trouver quelque chose, peut-être un ajout, ou bien il faut revoir la loi, je crois qu'il faut absolument arriver à mettre tout le monde d'accord. C'est ça le consensus. De bout en bout, de plus de 700 recommandations ici des concertations nationales, un accent particulier a été mis sur ce que nous appelons les consensus national. Il faut absolument un consensus. Lorsqu'on en arrive, par exemple, à lever certaines options seules, sans pour autant faire recours aux autres, je crois que c'est là que ça chauffe un peu. C'est là que ça prête à suspicion, bien entendu, et c'est de nature à ne pas aller aux élections qui sont souhaités par tout le monde. Et pas plus que tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il y a, c'est déjà un retard, la loi n'est pas encore, disons, définitive, surtout la loi électorale. Oui. Vous pensez que les élections municipales auront bel et bien lieu au mois de juin, parce que ça a été annoncé par la CENI mi-juin 2015. Non, Théophile, il a dit. Parce que les candidatures ne sont pas encore déposées. Il a dit avec beaucoup d'éloquence, nous sommes déjà en retard par rapport au délai. Et comment corriger ce retard? Comment corriger cette possibilité? C'est ça le problème. C'est ce que nous disons. Lorsque nous y allons seuls, sans consensus au départ, nous allons tomber et retomber dans les mêmes histoires. Mais là, ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Puisque vu le timing, nous sommes en train d'être butés à une difficulté sérieuse, à savoir celle qu'on a connue la fois passée où tout était fait dans la précipitation. Mais maintenant, il faut qu'on nous sorte un autre calendrier. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas une boule de cristal sur place. Global. Pardon? Global. Tout à fait. Vous avez suivi même pour ce qui nous concerne, puisque là, c'est comme si vous m'avez arraché quelque chose de malin. L'UFC est de ceux-là qui estiment qu'absolument, il faut un calendrier global. Vous avez vu vous-même, à peu 48 heures après la publication de l'équipe gouvernementale, nous avons réalisé une sortie à l'issue de laquelle nous avons mis l'accent sur la publication du calendrier global, puisque maintenant, pour chuter, il y a en quelque sorte un jeu de ping-pong. Vous avez suivi le président de la République, il dira qu'absolument, il renvoie la balle à la CENI, n'est-ce pas? Tout le monde l'a suivi. Mais d'autre part aussi, lorsque vous suivez M. Jean-Pierre, le rapporteur de la CENI, je l'ai suivi une fois, à la question de savoir, la communauté internationale tient absolument à ce qu'on puisse publier le calendrier global, c'est de cette façon qu'ils pourront apporter aussi un plus leur soutien. Mais M. Jean-Pierre a renvoyé la balle au gouvernement en disant que nous sommes prêts, même aujourd'hui, nous sommes prêts. Si aujourd'hui on faisait recours, on mettait les moyens à notre disposition, eh bien le calendrier global sera là. Voilà, c'est un jeu de ping-pong, malheureusement. D'accord. Alors, votre mot par rapport à ce qui a été dit avant que l'on parte à la deuxième question de ce soir. Donc, d'abord, je voudrais dire que c'est très bien de nous accuser, nous encaissons à. Ben, ce qui est vrai, c'est ceci. Lorsqu'on a convoqué le calendrier et la session extraordinaire, l'opposition a boycotté au départ. Ils ont refusé de venir participer au motif que le motif qu'ils ont avancé, c'est qu'il y avait possibilité de faire une révision constitutionnelle. Écoutez, il ne faut pas flouer le peuple. La vérité, c'est que réviser ou pas réviser, la constitution et ce qui fait sa force, c'est son acceptation par le peuple entier. Donc, qu'on révise ou qu'on ne révise pas, il faut passer par l'étape cruciale d'un référendum et c'est le peuple qui décide. Maintenant, quand ils ont vu
que leurs suspicions, parce qu'en fait, elles, à l'opposition, fonctionnent seulement sur base des suspicions et des supputations. Alors, quand ils ont vu que leurs suspicions n'étaient pas fondées, ils sont venus. Ils ont trouvé la matière déjà en train d'être débattue, alors ils ont commencé à poser des objections. Non. Déjà, quand Malouma avait sorti le calendrier, il avait déjà proposé des aménagements au calendrier, quoi, aux lois électorales. Les deux sont sortis ensemble, la loi électorale et les propositions des aménagements aux choses ici, aux lois électorales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la République doit faire la politique de ses moyens. Ça ne sert à rien de vouloir faire la satisfaction de beaucoup de gens. Mais puisque l'opposition pense qu'il n'y a pas d'opportunité de toucher à cette loi électorale. Non, l'opportunité est là parce que vous savez, l'opposition ne gère pas. Ceux qui gèrent, c'est ceux-là qui rendent des comptes. Nous qui gérons, nous nous rendons compte que organiser une élection à 300 millions une année et l'année suivante, en programmer une autre à 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent de perdu. Alors, je crois que l'élection municipale ici et les autres ici devraient nous coûter dans les 10, 20 à 30 millions d'après ce que disait le ministre de la communication. Donc ça fait que la volonté là qui est affichée par nos amis de dire non, il ne faut pas, quoi, c'est ça, c'est de la guerre politicienne. Les gens ne doivent pas s'étonner, les gens de l'opposition doivent toujours dire ça, et après vous allez voir qu'ils vont changer, ils vont quitter la sphère des noms pour aller dans la sphère des amendements. Ils vont commencer à vouloir amender pour vider la loi de sa substance. Mais nous connaissons aussi les jeux démocratiques, les jeux électoraux, donc nous allons les mettre à leur place. Bien, nous passons rapidement à la deuxième question de ce magazine. Vous le savez, on va analyser le dernier discours du gouverneur de la province du Katanga. Vous le savez, lui qui a fait près de 3 mois en dehors de la province du Katanga. On va commencer par M. Théophile. Un mot par rapport à ce qu'a été l'intervention du gouverneur Moïse Katumbi. Bon, c'était un discours. Il était en déplacement. Il a fait son discours. Apparemment, c'était un discours politique. Ce n'était pas pour remercier ceux qui sont partis l'accueillir. Un discours politique qui a fait beaucoup d'interprétations. Les unes ont convergé, les autres ont divergé par rapport au premier. Mais ce que je retiens de ce discours, c'est le premier fait. C'est une reconnaissance. Et il rejoint ce que le peuple congolais disait, que les élections ont été mal organisées et il y a eu la tricherie. Si aujourd'hui il peut dire ce qu'il dit là, mais c'est à sa faveur ou en faveur de leur équipe, parce qu'il n'est pas, jusqu'à ce jour, il n'a pas quitté la majorité. Et il n'a pas aussi quitté son parti politique, où, dont il a aussi des responsabilités. Le Pardon ? Oui, il a aussi des responsabilités dans son parti, jusqu'à ce jour. Alors, si aujourd'hui il dit il y avait le faux orgé ou quoi, mais c'était à leur faveur, là nous sommes contents qu'ils viennent dire officiellement que nous avons triché et que nous avons mal organisé les élections et où nous avons eu des faveurs. C'est ça. Mais aussi, nous ne pouvons pas, ici c'est la première hypothèse que je lance, je pense que ça peut être une mise en scène, mais aussi la politique des trocs. Je vais expliquer. Une mise en scène, pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé ensemble. C'est la même équipe, c'est le même parti politique. Ils ont eu des bénéfices ensemble. Mais qu'est-ce qui les soutient? Qu'est-ce qui les sépare de sa famille politique? Ça, c'est leur problème à l'interne. Qui a gagné plus? Qui a doublé qui? Pour vous. C'est je suis en train de continuer d'avancer. C'est dans leur camp. C'est à eux de nous dire. Le camp de la majorité. Oui, c'est dans leur camp. Qui a dribblé qui a eu plus? C'est eux. C'est eux. Parce que quand ils vous parlent de pénalty, c'est à leur faveur. Ce sont eux qui ont gagné. Pourquoi les interpréter ces pénalty avec des bolinettes politiques? Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est politique qui parle des mandats ou quoi. Mais au moins, j'ai dit pénalty, faux corner. C'était à leur avantage. Ils étaient dans cette famille politique-là. Donc l'arbitre les a favorisés. Ils ont bénéficié tous ensemble de cette tricherie et de ces magouilles. Mais qu'est-ce qui les sépare? Ce n'est pas notre problème. Ça, c'est entre eux. C'est à eux de nous dire X a doublé Y ou X a pris plus que Y. C'est là où j'ai dit une mise en scène. Si ce n'est pas une mise en scène. Une mise en scène de qui? De la majorité? De la majorité. Entre eux là-bas. Si ce n'est pas une mise en scène. Mais qu'est-ce que son parti ou sa plateforme dit de son discours? Quelle est la réaction de sa famille politique?
quelle est la réaction? Et lui-même, s'il trouve qu'on nous a favorisés malhonnêtement, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Alors, si rien n'est dit, on a fait seulement une déclaration, il n'y a pas des actes posés, c'est une mise en scène. Et deuxième hypothèse, ce que j'ai dit ici, la politique des trocs. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Congolais ou le monde entier souhaite l'alternance. Alors, s'il y a l'alternance, c'est qu'on ne veut plus de l'équipe ou du groupe qui est là. Alors, comme toujours au Congo, peut-être que les gens veulent prendre des distances pour se blanchir et se retrouver éventuellement dans la seconde équipe qui vient, dans l'équipe qui pourra remplacer l'équipe qui est là. Parce qu'au Congo, nous savons que les gens qui ont conduit Mobutu à la dérive, ce sont les mêmes qui se sont retrouvés dans l'AFDEL, qui se retrouvent aujourd'hui dans la majorité. Alors, est-ce que ce n'est pas quand on constate qu'aujourd'hui, on parle de l'alternance, ce que les jeux doivent changer, les gens prennent déjà des prédispositions et ils prennent distance pour se blanchir et être bien reçus par le peuple congolais, éventuellement aussi par l'équipe qui viendra. C'est sur ces deux hypothèses-là que j'étable ma réflexion. D'accord. Oui. On va revenir. On va revenir. Oui. Alors, votre réaction, M. Koffi, vous avez suivi ce qu'a été le discours du gouverneur de province. Mmh. Et beaucoup de spéculations, beaucoup d'interprétations à propos. Vous avez également un point de vue à donner. Vous le dites bien, il y avait beaucoup de spéculations, beaucoup d'interprétations. Moi, je comprends cela pourquoi. Et pour analyser la situation dont il est question, à savoir le discours du gouverneur et son retour, je crois que moi, je veux m'inscrire beaucoup plus sur un terrain tout à fait scientifique. Ça me rappelle un peu mon petit cours de philosophie politique que j'ai eu à l'université, bien entendu, lorsqu'il fallait différencier la politique de l'art. Donc, lorsque nous parlons de la politique, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, je considère cela comme étant une science, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on parle de la science, on voit une caractéristique indispensable, à savoir l'objectivité, ou l'objectivisme, si vous voulez. Mais maintenant, à la différence de l'art, l'art voit les choses d'une manière tout à fait subjective. Où est-ce que j'essaie d'inscrire l'art? Le discours du gouverneur Moïse Katumbi, à qui j'ai une vive admiration, eh bien, ce discours, je suis en train de l'insérer dans ce contexte-là de l'art. Pourquoi? Puisqu'il a utilisé tout un langage énigmatique tout au long de son discours. L'énigme. Un langage énigmatique, une énigme de bout en bout. Or, lorsqu'on parle de l'énigme en soi, c'est un mystère. L'énigme est un problème. L'énigme cache la réalité. Au lieu d'aller tout droit au but, d'expliciter, d'extérioriser ses sentiments, lorsqu'on fait appel à une énigme, c'est-à-dire, on veut tout simplement voiler la vérité pour que cela appartienne au plus érudit, si vous voulez, à celui qui est plus souple intellectuellement, à un sublime. C'est ça le problème, c'est ça l'art. La preuve en est que vous l'avez dit vous-même. Chacun interprète le fait à sa manière. Ce qu'il a dit là en rapport avec le je sais pas moi, le pénalty ou quoi, ça équivaudrait un peu à ceci. Ça signifie ceci. Donc la population est totalement partagée. C'est ça le résultat de l'énigme. Pourquoi? Puisqu'il y a subjectivité. Si il pouvait dire ouvertement, voilà aujourd'hui je reviens, je vais démêler avec ma famille politique, j'arrête, je démissionne, il y a ceci, il y a cela. Eh bien, je vous dis que à ce moment-là, on ne devait même pas parler de tout ce qu'on est en train de parler. On devait être fixé. C'est pourquoi le débat comme tel, moi je trouve que c'est un débat quelque peu erroné, passez-moi le terme. Je me rends compte que des fois il y a exagération de la part des médias. Et ceux qui parlent de mandat et consorts, n'est-ce pas une manière de lui prêter des intentions? Parce que lui n'a pas parlé clairement de mandat. Il n'a pas parlé de mandat, évidemment, c'est ce que j'ai dit. De toute façon, partout il y a un langage énigmatique. Même si nous pouvons décoder quelque chose, le décryptage véritable, il n'y a que Moïse Katumbi lui-même qui peut arriver à le faire, éclairer la population. Le reste n'est que de la poudre, des supputations, des conjectures, des suppositions, si vous voulez. Mais sinon, la réalité comme telle, lui-même est maître de cette réalité. C'est pourquoi, moi, je vais peut-être aujourd'hui demander à ce que ce débat soit tout simplement clos. Puisque maintenant,
Partout où vous passez, on vous pose des questions, chacun a son interprétation. Qui va clore? Parce que la population a besoin d'entendre le décryptage de vous, acteurs politiques, bien que la primeur revient à celui qui est le responsable de l'unité. Tout à fait d'accord. J'accorde carte blanche à cette population qui veut en savoir davantage. Avec quel décryptage? Votre décryptage. On ne sera pas tablé. Je vous dis que nous sommes dans le domaine politique. La politique, la science étant considérée comme une... science tout à fait, disons, la politique étant considérée comme une science et tout à fait étant teintée d'objectivité, ce n'est pas à nous de le faire. Donc au moins le gouverneur Moïse Katumbi est prêt à, si il peut, une fois de plus, essayer d'éclairer la lanterne en utilisant des mots justes, clairs. À ce moment-là, nous allons émettre notre point de vue. D'accord. Je sais que politiquement, Moïse Katumbi, c'est un éléphant sur le plan politique. Il est prépondérant, il pèse beaucoup. Et vous le reconnaissez bien. Je le reconnais, tout à fait normal. Celui qui ne reconnaît pas ça, bon, ça, je regrette un peu. Hein. Il ne faut pas être chauvin. Mais au moins, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que ça puisse alimenter les conversations dans tous les sens pratiquement, c'est à cause de ça. Mais en réalité, si nous devons tabler sur la logique des choses, c'est un débat sans fondement. D'accord. Monsieur Momo, vous avez également suivi ce débat. Beaucoup d'interprétations, vous avez une en tant qu'acteur politique. Merci beaucoup de me donner aussi l'occasion de m'exprimer encore une fois de plus dessus. Je crois que je suis parmi les premiers cadres de la majorité à m'être exprimé et m'inscrire en faux. Je crois qu'il est temps ici que je puisse essayer un peu de recadrer mon frère Koufi qui vient de parler. Il a beau dire ce qu'il veut. Et c'est son point de vue. Je ne peux pas dire qu'il se trompe, mais je crois qu'il ne tient pas compte de certains paramètres. La grandeur supposée de notre frère Katumbi ne lui est pas tombée du ciel. C'est un schéma politique bien rodé qui a été qui lui a fait parvenir là où il est. Donc aujourd'hui, quand on nous regarde que ce qu'il est, sans reconnaître le schéma qu'il a mené là, c'est un peu aimer la poule sans aimer les œufs. Ou aimer les œufs sans aimer la poule. Monsieur Katumbi, là où il est, il y a été initié. Et il a été préparé à faire ceci, cela, selon un schéma politique donné. Et tout ce qu'il a fait, de tous ces jours, il a été honnête. Il a reconnu que c'est elle qui m'inspire de faire ça. Et curieusement, lors de ce discours là-bas, il a oublié de mentionner celui de rendre hommage à celui qu'il avait pris l'habitude de nous. Il nous avait habitué à rendre hommage à un homme. Malheureusement, bon, ce jour-là, il a oublié. Donc lui, Adelard Koufi, ça ne lui dit rien. Non, ceux qui sont le choix, ils connaissent. Les Katangais savent de quoi je parle. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Premier élément. Deuxième élément, il y a une chose que nous ne devons pas aussi perdre de vue en tant qu'analyste politique et en tant qu'animateur dans cette émission, communicateur dans cette émission, c'est que Moïse Katumbi, notre gouverneur, notre frère aussi, il faut mentionner, nous n'avons pas de guerre à titre individuel avec lui, nous avons des guerres avec lui comme gouverneur, président de PPRD, un des partis de la majorité, et ayant communiqué quelque chose qui ne convient pas à ce... Selon vous. D'après nous de la majorité. C'est nous la majorité, sa famille politique. D'accord, allez-y. Hein? Nous de la majorité. Parlez-nous d'abord de pénalty, parce que vous avez une interprétation à faire. Non, écoutez, nous ne voulons pas faire une interprétation de pénalty. Nous voulons faire l'interprétation d'aller dans la population. Allez-y. Vous savez, le problème, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui a été entendu de sa bouche. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on garde une certaine sobriété dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'au fait, nous sommes redevables, non pas de ce que nous pensons dire, mais de ce que nous disons a comme impact. Vous savez, moi, quand je suis passé à la télévision, j'ai dit, non, si le gouverneur veut s'opposer au président, il n'a qu'à se retirer. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. Mais il ne va pas quand même répondre. Oui, il n'a pas besoin de répondre, simplement parce que la réponse est évidente. Pourquoi aujourd'hui, Momo Molapo, réclame la démission de Moïse Katumbi? Je réclame la démission de mon frère Katumbi
pas pour, parce que c'est quoi, je veux qu'il meure, ou je veux m'accaparer de sa place. Non, d'ailleurs, bon, être gouverneur, je peux le devenir, mais ce n'est pas forcément que je veux prendre seulement la place de quoi, de Moïse Katumbi Tchabouin. Non, je réclame sa démission parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire en tant que gouverneur élu de la majorité. Je rappelle qu'à l'élection... Qu'est-ce qu'il devait faire? Ce qu'il devait faire, c'est continuer à maintenir l'ordre constitutionnel jusqu'au moment venu. Les états d'âme de Moïse Katumbi Tchabouin ne nous intéressent pas. Ce que lui ressent. Mais maintenant, hier et demain, tout celui qui prendra la place de gouverneur, ce que lui pense chez lui, dans sa famille, dans son corps, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les rendements qu'il a décidé de rendre à la communauté. Donc, qu'est-ce que nous disons? Il se devait de faire un discours de remerciement à la population. Oui, merci beaucoup d'être venu m'accueillir. Hein? Je n'ai pas entendu dire merci d'être venu m'accueillir. Je n'ai pas entendu dire merci beaucoup, j'ai beaucoup souffert, merci de votre compassion. Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu des histoires là-bas, au Katanga, qui nous parle de Burkina Faso, qui a la grandeur du territoire de Kibouche. Vous comprenez un peu il, mais si il est congolais, il est libre de donner son point de vue ou de s'exprimer sur une question que... La liberté de Momo s'arrête hein, là où commence celle de Koufi. Celle de Tchala, Théo, Fele. Vous comprenez? Ma liberté se limite à celle de Théo, Fele. Croire que je suis libre, même de prendre ma canne et de la lancer sur Théo, Fele, c'est irresponsable de ma part. La canne me sert à marcher, elle ne me sert pas à taper sur les gens. Donc, excusez-moi, je vais juste terminer par là. Nous, ce que nous disons à M. Katumbi, notre frère Katumbi, c'est que nous n'avons rien à voir avec ce que lui pense. Ce que lui pense, il est libre de le penser. Mais ce que lui dit en public, c'est là que nous majorité. Mais oui. Mais je une majorité. Pas, j'ai commencé. Vous n'êtes pas seul à la majorité. Un petit cadre là qui parlait. D'ailleurs, je peux vous dire que à cause de ça, je suis même je suis désormais un ex-cadre d'un certain vous parti politique. De la majorité présidentielle. Mais je suis une personnalité de la majorité. Je soutiens l'ordre constitutionnel. Je soutiens le président Merci, de la République. Le débat se poursuit. Et on va revenir à vous, monsieur. Je suis encore là. Théo Fele, votre interprétation. Bon, je vous l'ai dit, on dit que ce n'est pas politique. Quand il dit pénalty ou pas pénalty, et il dit troisième fois, les gens vont descendre. Et il chute pour dire, tel que vous êtes là, vous êtes plus nombreux que Burkina Faso. Mais qu'est-ce que vous voulez encore qu'on dise de plus? C'est politique, il a parlé, pas à une ligne qu'on doit aller chercher. On peut parler alors d'une fissure entre lui et la majorité. Non, laissez-moi. On ne peut pas aller chercher que Dieu vienne encore avec une intelligence nous utiliser pour comprendre. Il a dit clair, quand il vient, nous sentons, d'abord avant qu'il ne vienne, qu'est-ce qu'on a appris, et quand il arrive, il a tenu ses discours. C'est là où, disons, il y a un problème dans leur famille politique. Quand ils ont travaillé ensemble, même, je vous ai dit ici tout à l'heure, les pénalty, les corner, c'est en faveur de qui? De son équipe. C'est ça. Parce qu'il faisait partie de cette équipe-là. Alors aujourd'hui, il avait oublié ça. Bon, ça, je ne sais pas. Il faisait partie. Alors, il vient nous le dire. Alors, nous tous nous disons, ah bon, il n'y a pas de problème de pénalty. Mais c'est ce que je veux lui demander, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il comprend qu'ils ont été dans la magouille, ils ont bénéficié de faux pénalty. Comme il vient derrière, s'aligner derrière le peuple, avec les autres qui étaient toujours derrière le peuple. Alors, nous allons leur demander de monter une équipe nationale et que nous puissions marquer les buts pendant le temps réglementaire et pas sur des ballons arrêtés. Ne parlez pas aussi en énigme, monsieur. Ne parlez pas en énigme, parlez clairement pour éclairer la nation de téléspectateurs. Il a commencé par le foot. Faisons une équipe nationale. Nous marquons les buts pendant le temps réglementaire, mais que nous ne sommes pas sur les ballons arrêtés, parce que les ballons arrêtés amènent toujours... des problèmes. Par rapport à ce qui s'est dit ici, vous ne voyez pas qu'il y a une cassure totale entre lui et la majorité? Mais heureusement, quelqu'un de la majorité l'a dit. Il a toujours fait hommage, je ne sais pas, à la personne morale ou au père spirituel. Mais cette fois-ci, il n'a pas dit. Il est venu sur d'autres aspects qui manifestent clairement qu'il y a eu fissure. Cassure totale. C'est pas cassure, divorce, si on peut parler. Il y a divorce. Mais alors, c'est là où j'évoque ce que j'appelle, moi, ici, la politique de trop. Parce que nous savons, excusez-moi, je vais expliquer ça. Vous savez que la plupart des gouverneurs de province sont des présidents d'équipes de foot. Ils ont transféré leur popularité à une personne. Alors maintenant, nous parlons tous
il y a l'alternance qui vient. Alors, eux prenaient leur popularité, ils ont transféré à quelqu'un. Et celui-là, contre-partie, leur a donné des postes de fonction. Alors, quand on sent qu'il faut prendre distance avec l'alternance, qu'est-ce qu'on fait? Les gens commencent déjà à prendre position pour aller avec cette drogue-là, le principe de drogue ailleurs. On ne sait pas si ça sera la même logique. Mais pour nous, nous pensons que parler de ça pendant longtemps, c'est une distraction. Parce que c'est un problème qui concerne les camps politiques. Qui est la majorité. Et ce qui nous enchante, c'est parce qu'ils nous ont dit beaucoup de vérités sur ce qu'ils ont fait ensemble. D'accord. Alors, M. Koutou, vous avez suivi l'intervention de M. Momo, qui semblait contredire un peu votre point de vue, mais également, je voudrais que vous émettiez également votre point de vue par rapport à ce qu'a dit le président Kyungo, parce que c'est lui qui a annoncé d'ailleurs l'entrée des jeux avant le discours du président Moïse, lui qui disait que l'abbé Maluma le doit faire rapidement pour qu'on en finisse, qu'on aille évidemment aux élections de 2016 pour évidemment doter le pays de nouvelles institutions. Merci beaucoup, José, une fois de plus. Je crois que mon ami du MSR, ex-MSR, il est plus. Ah, ex-MSR, hein, c'est ça le contenu de la exclu. Ah, il est exclu du parti. Je m'excuse alors. Oui, je ne savais pas. Il est de la majorité. Bon, le problème qui est là, je ne sais pas pourquoi cet acharnement, lorsque je parle peut-être en bien de Moïse Katumbiné, pas de ma famille. Alors que lui, de la majorité. Non, c'est tout à fait normal. Est-ce que dire, par exemple, aujourd'hui que Moïse est un éléphant politiquement? Donc on voit la notoriété, les preuves sont quand même là. Hein. Il n'y a même pas à dire ou à redire là-dessus. Hein, à moins qu'il y ait un problème particulier entre lui et Moïse, ça c'est leur cuisine interne. Parce entre que eux de la majorité. Entre eux de la majorité. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce que je voulais dire, qu'il y a absolument... Aujourd'hui, M. Katumbi n'est pas en disgrâce par rapport à sa famille politique. Voilà qui m'amène à dire tout simplement que... Jusqu'à preuve du contraire, tout ce que nous sommes en train de dire n'est que spéculation, supputation, conjecture. Hein? Pourquoi? Puisque aucune déclaration. Nous devons être réalistes. Nous devons tabler sur la réalité. S'il advenait que quelques heures après, qu'on nous dise voilà, il est renvoyé, il a été démis de ses fonctions, on lui a demandé de rédiger une lettre de démission, etc. Momo, lui demander... Là, c'est autre chose. C'est pas là, c'est autre. Mais c'est au moins, certains sont en train s'il de lui demander la parole, allez-y. S'il vous plaît, mais au moins nous reconnaissons un fait non de moindre, c'est que Moïse, jusqu'à preuve du contraire, il est gouverneur, malgré tout ce qui s'est passé. Cela que moi j'appuie la thèse selon laquelle. Le président interfédéral est gouverné. Tout à fait, tout à fait. Le divorce, comme vous le disiez, vous posiez la question à mon ami Théo. Le divorce, moi je ne vois pas. On ne peut pas parler d'un divorce consommé. Sur base de quoi? Moïse est là, là où il est, là où il a toujours été. Mais attendons voir. Mais sauf qu'il y a un élément non de moindre qui suscite un peu ma curiosité, qui me tape sur le nerf. C'est lorsque je sens une sorte de communautarisation, peut-être des déclarations ou des intérêts de quelques leaders katangais. C'est là qu'il y a aussi à se poser la question. Pourquoi on semble voir les choses de la même manière? On a parlé par exemple de tout a commencé par Muyambo. C'est un exemple que je donne. En ce qui concerne la révision de la Constitution, c'est inscrit en faux. Et on est passé de Muyambo à Vanu Kiboko aujourd'hui en passant par mon jeune frère Mawine, Georges. Lui qui a également quitté la majorité présidentielle. Qui a quitté, la même situation. Alors, comment expliquer cette communautarisation de sentiments, si vous voulez, passez-moi le terme, qui caractérise maintenant nos amis. Eux qui, à un moment donné, comme l'a dit quelqu'un ici, ne juraient que par le nom du président Kabila. On ne pouvait même pas faire un petit discours de rien du tout. Même un discours qui n'avait rien à voir avec la personne de Kabila, eh bien, on a senti... Et ce spectre-là, ce spectre de Mobutiste à l'époque revenir au galop pour qu'on puisse lui jeter des fleurs, dire n'importe quoi. C'est ça la préoccupation. Je crois que nous devons plus orienter le débat sur ça, c'est-à-dire foncer, essayer de pénétrer pratiquement la matière pour connaître ce qui se passe. Mais en tout état de cause, le gouverneur Katumbi est mieux placé pour le faire. Pour éclairer la lanterne. Je crois que ça, c'est très capital, mon cher ami. C'est très capital. Et par rapport à la cassure, vous pensez que la cassure, le divorce n'est pas encore consommé parce qu'il est encore là. Le divorce n'est pas consommé. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Tout ce qui est en train de se raconter, le gouverneur Moïse Katumbi,
est à même de se lever pour dire voilà, j'ai entendu tel faire une telle déclaration que moi j'ai dit ceci contre mon parti et c'était intenter un procès en justice. Vous n'allez pas me dire qu'il n'aura pas raison. Il a raison de le faire. Pourquoi? Puisque c'est comme si on semble placer la charrue devant le bœuf. Donc il ne faut pas lui prêter des intentions. Il ne faut pas lui prêter, des intentions. Ce ne sont que des procès d'intention jusque-là. Mais je sais qu'au sein d'une famille, les problèmes ne manquent jamais. Les problèmes sont là, partout, dans chaque partie, même au sein de la famille biologique de Momo. Je sais qu'il y a des problèmes. Il y a de ceux-là qui n'admettront jamais même ces prises de position intempestives de foi. Je suis sûr et certain. Mais au moins, on sait que c'est ça même la société. Hein, il y a toujours des dialectiques qui s'installent, mais quitte à l'homme de pouvoir gérer tout cela. C'est ça l'essentiel. Alors, avant de prendre le moment, rapidement, M. Théo, 30-45 secondes, monsieur, il parle d'un divorce qui n'est pas consommé. Alors que vous soutenez que le divorce est déjà consommé par rapport au fait. C'est sa lecture. Heureusement, il a donné tout un chapelet de noms ici, de gens qui sont malmenés, incarcérés, parce qu'ils ont dit non. Parce que nous devons revenir aussi dans ce qui est général. Ici, le problème qui se pose d'une façon générale dans notre politique, c'est l'alternance où les uns préfèrent rester demeurés au pouvoir et pour le faire, il faut peut-être tabler sur la loi qui est là. Et les autres qui veulent l'alternance. Ceux qui veulent demeurer parlent, au début on parlait de la révision constitutionnelle, de tout ce que nous sommes en train de dire ici, d'onim et consorts. Ce sont des astuces, ce sont des matières ou des méthodes utilisées pour qu'on puisse prolonger ou glisser. Tandis que les autres disent, nous devons respecter la Constitution et allons vite. Mais on remarque que tous ceux qui sont dans la majorité, qui parlent autrement que la position officielle de la majorité, ceux-là ont des problèmes. Ce sont ces faits-là qui marquent, qui nous amènent à dire que le divorce est presque consommé. Se consommer. Parce qu'aujourd'hui, qui boit au cas qu'il dit, c'est l'alternance. Non, c'est pas l'alternance. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est le faux plein. Oui, le fond, c'est l'alternance, mais chacun peut. Terminé. Oui, vous avez dit. Terminé. Le fond, c'est l'alternance. S'il vous plaît. Tous ces gens-là qui disent une révision constitutionnelle ou pas. Alors prenons le Boukiri. Faisons vite pour organiser les élections. Mais c'est quelqu'un de la majorité qui dit. Oui, c'est quelqu'un de la majorité. Mais est-ce qu'en prenant tout ce que la majorité est en train d'étaler, la majorité est prête pour l'organisation des élections en 2016-2018. Et donc, en même temps, pour vous, le divorce est consommé. C'est consommé parce que la position n'est plus éduque. Même l'ancien parti de Momo, heureusement parce que Nicolas Biki n'est plus, bien il est de la majorité, mais son parti, à son temps, a dit qu'on ne voulait pas de la révision de la Constitution. Et d'autres opérateurs politiques de la majorité. Il y en a qui soutiennent aussi la révision de la Constitution. C'est là où je dis, c'est l'alternance mais exprimée à des termes. D'accord. Alors dans leur camp, il y a cette issue-là. Ceux qui sont pour A sont réellement contre B. C'est ça. D'accord. Alors maintenant, c'est ce que nous pouvons dire, si les X ou les Y, on a placé les mots, on a fait ceci, c'est par rapport au point principal qui est l'alternance. D'accord. On va revenir à vous, monsieur. Mais c'est le stratégie. Monsieur Félon, on va revenir à vous. Alors, monsieur Momo, vous demandiez la parole. On parle évidemment de ce divorce. Est-ce qu'il est déjà consommé entre le gouverneur Moïse Katumbi et sa famille politique? Monsieur Koufi l'a bien signifié qu'il n'est pas consommé parce que le gouverneur est encore en place. Il est président fédéral du PPRD et cadre de la majorité présidentielle. Et votre majorité, apparemment, départ à tout ce qui est dit des sorties médiatiques, ne pensez-vous pas que la majorité devient plus que fragile? Heureusement que le peuple katangais continue à nous aimer. Ils aiment parce que nous disons que la vérité, nous ne trompons personne, nous disons ce qui est juste, nous n'insultons personne, nous n'en voulons à personne. Nous voulons un Moïse intégral chez lui à la maison, capable de prendre des positions qu'il veut plutôt que gouverneur et qui prend des positions contraires à sa fonction de gouverneur. Voilà. Ça, c'était pour entrer. Maintenant, je veux y aller en commençant par Koufi Adela pour lui dire au fait, il n'y a pas. Vous avez parlé d'une caractérisation, une certaine classe. Communautarisation. Non, il n'y a pas communautarisation. Il a évoqué les leaders qui ont quitté la majorité présidentielle. Il n'y a pas de communautarisation, je vous dis. Jean-Claude Muyambo a quitté la majorité. Jean-Claude Muyambo. Georges Mawineka, il doit quitter la majorité. Jean-Claude Muyambo. Une communautarisation de cause. De cause, voilà. Allons-y lentement. Ce n'est pas la communauté. Donc, si Jean-Claude Muyambo est de quoi, de Saint-Pierre, mais il n'est pas de Luanzo. Luanzo, c'est autre chose.
Saint-Pierre, c'est autre chose. Et les autres, il n'est pas le seul à avoir quitté la majorité. Quitter la majorité, c'est une question de tête. Il y a des gens qui croient que la majorité telle qu'elle va, elle arrive à son terme, alors que justement Dieu nous a donné l'intelligence pour renouveler les choses et les rendre utiles. Mais cette fissure est-elle à mesure de vous? Il n'y a pas une fissure. Il y a eu quelques personnes. Qui a fait la démontrer, M. Momo? Non, je viens de vous dire qu'il n'y a pas fissure. Si l'opposition, la LUDPS, vous avez chassé le directeur de cabinet là, de votre. Albert Moleka. Il a été chassé. LUDPS, on ne parle pas de Moleka, on parle de la majorité. Voilà, donc je donne l'exemple. Revenons dans le canevas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont cru que leur foufou qu'ils mangeaient n'est pas garanti, ils peuvent changer de casaque. C'est ça, c'est justement un comportement qui était fait ici. Et Koufi, on décriait des gens qui changent à tout moment, qui n'ont pas un discours. Peut-être qu'ils entrent en politique sans réellement avoir un agenda politique. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Le divorce est-il consommé entre la majorité? Écoutez, la machine publique de l'État, ce n'est pas la machine de deux ou trois personnes. C'est une machine très lente. Mais elle est crasse, à coup sûr. Ça faisait très longtemps que... Vous avez parlé ici des gens qui étaient arrêtés pour leur prise de position. Non, ça faisait très longtemps qu'on a dit aux amis de Luanzo, l'ami Kouba, qu'une association socioculturelle n'a pas le droit de prendre une position politique. Ils n'ont pas compris. Et quand le président a été arrêté, je précise que c'est mon oncle, et que nous souffrons familialement de sa perte. Hein? Il a été arrêté pour tribalisme et incitation de troubles à l'ordre public. Donc il n'y avait rien de révision constitutionnelle dedans. La raison ne nous a pas intéressé. C'est que nous avons su sur RFI, je crois qu'on a parlé. Excusez-moi mes amis, mais je veux vous dire que la bêtise de beaucoup de Congolais et de Katangais, c'est de croire que pour s'informer des matières qui concernent leurs cousins, les Théo, les Adela, ils doivent se référer à des gens qui vivent à 10 000 km en France pour leur dire ce qui nous concerne. C'est pourquoi on a parlé aussi. Pour c'est chez nous. Veuillez chuter rapidement, on va. Donc, je voudrais ici dire. Qu'il n'y a pas de divorce, c'est ça? Il n'y a pas eu. Non, les divorces sont obligés de se consommer. C'est juste la machine qui est en train de marcher. Moi, en 10 ans. Et la machine, elle va s'arrêter où? Bon, une machine qui marche avec des divorcés. Il n'y a pas de divorcés, il y a des enfants perdus. Des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font et qui croient que quoi qu'ils fassent, ils baissent. Où est-ce que cette machine va s'arrêter? Écoutez, le gouverneur de province qui a tenu des propos qui ne conviennent pas à sa fonction devra justement répondre de cela. Il y a le ministère de l'Intérieur qui s'active. Moi, j'avais demandé même que le président de l'Assemblée puisse répondre, mais apparemment, j'ai vu à la clôture de son assemblée, de la session de l'Assemblée, il a vite, prudemment lâché le gouverneur. Et il a déclaré ce qui suit, c'est qu'il est contre le découpage. Qu'est-ce que ça veut dire, Kiungwa Kumwanza contre le découpage? Il est contre le découpage, ça veut dire qu'il est contre l'actuelle constitution. S'il est contre l'actuelle constitution, donc il faut la changer. Merci. S'il faut la changer, donc il n'est pas avec Katumbi dans la fronde contre l'autorité de la majorité présidentielle. Bien. Donc, merci, M. Bon, on va faire la dernière ronde. Il nous reste que. Ça risque de s'arrêter seulement à Katumbi. 5 minutes, on va faire la ronde. On commence par vous, M. Koufi. Vous avez évidemment une réaction, mais aussi une conclusion, parce qu'il nous reste que 4 minutes. Oui, une réaction, c'est que quelque part, je vais dire à un moment que nous devons vraiment, en tant qu'homme politique, avoir la grandeur d'esprit. En ce sens que lorsque je parle, par exemple, de Muyambo, je parle de la communautarisation des causes. Je vois Muyambo. Muyambo, qu'il soit ceci ou cela, mais nous voyons Muyambo comme acteur politique au Katanga, trop actif. Mais la communautarisation, c'est tout ça. Non, c'est quoi la communautarisation? Vous voyez, définissez. Si nous entrons en profondeur, vous allez taper à côté. C'est cela. Il ne faut pas recourir aux origines et autres. Il est ici s'il se déclare autorité responsable de son parti politique à partir du Katanga. Il jouit de tout cela, tous ses intérêts à partir d'ici. Vous avez parlé quelque part de M. Gabriel Kyung, quand il vous dit non d'aller aux élections vite, vite. Jusque-là, c'est un langage. Moi, je ne vois pas pourquoi nous devons un langage codé, tout à fait. Je vois très mal qu'on puisse déjà interpréter, donner une interprétation. Et si vous disiez qu'allons vite aux élections, c'est-à-dire qu'il a déjà gagné les élections, ou bien il a son candidat, lui?
Et pourtant, il reste jusqu'à preuve du contraire de la majorité présidentielle. Il a son candidat, peut-être le moment opportun. L'un des cofondateurs de la majorité. Tout à fait, tout à fait. Le moment opportun, nos amis vont se réunir pour nous présenter leur candidat. Voilà ce que je pourrais dire. En conclusion maintenant, pour chuter, je vais dire tout simplement que nous devons beaucoup plus réfléchir pour des matières politiques en des termes, disons souvent, mettre les lunettes scientifiques. Vous savez, lorsqu'on tombe dans le sentimentalisme à tout moment, il y a lieu d'engager des débats là où il ne faut pas. Hein, comme le débat qui nous réunit en ce moment ici, où nous cherchons beaucoup plus à interpréter un langage qui au départ n'a pas été clair, à décrypter un message que l'auteur lui-même n'a pas voulu étaler pour des raisons que lui-même connaît. Il devait le décrypter. Il devait nous donner du pain sur la planche en tant que politique. Nous devrions être beaucoup plus argumentés si réellement il s'était prononcé dans des mots, en des termes clairs. Voilà. À ce moment-là, on devait aussi afficher une position claire. Merci. Je crois que c'est cela. Monsieur Félé, une minute pour conclure. On va terminer par Monsieur Momo. On est à la fin. Merci. Je pense que par rapport au premier thème, c'est une distraction. Parce que les élections, on parle des élections au niveau inférieur, mais jamais on parle des élections au niveau le plus élevé. On demande des calendriers globaux, mais apparemment, ça traîne. Et dans l'entretemps, on parle aussi de l'identification de la population, qui, à mon entendement, on doit le faire proprement pour identifier les gens. Ils sont regroupés dans quel groupe. Et même l'ONU qu'on a mis sur pied, jusque-là, il n'y a pas de loi qui l'accompagne pour son fonctionnement et même le financement. Tard. Je ne sais pas s'ils ont le niveau au niveau provincial. Par rapport au second point, je l'ai dit, c'est un problème qui concerne nos amis de la majorité. Et ce problème-là, c'est un problème politique qu'on ne cherche pas, qu'on ne puisse pas interpréter. Parce que quand un homme politique pose un acte, ça interpelle. Ça interpelle tout le monde. Et ça dépendra de la compréhension que les uns et les autres peuvent faire de cet acte-là. Parce qu'en politique, tout acte compte. Ne pas s'occuper de ça, je pense que ça ne sera pas bien. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, il a tenu son discours en énigme, mais moi aussi j'ai répondu, parce qu'il a parlé de foot. Mais c'était un discours politique. Ce n'était pas un discours de foot, c'était un discours politique. Et là aussi, j'ai dit, je continue à soutenir mon point de vue, qu'il y a un problème réel qui me pousse à dire que le divorce est consommé, parce que ce sont les gens d'une famille politique qui tiennent des discours, parfois qui prennent des directions contraires. À ce moment-là, ils ne sont plus ensemble. D'accord. On va ajouter par vous, M. Momo, un résumé en une minute. Excusez-moi que je commence d'abord par répondre à mes amis. Que je dise d'abord à mon frère Adélard, que quand nous parlons de communautarisation et que vous citez des gens que les gens pensent qu'ils sont exclusivement du Sud, c'est comme si le Katanga est divisé, alors que derrière Moïse Katumbi Tshapwe est un gouvernement de tous les Katangais, Nord, Sud, partout confondu. Donc y compris même des membres de mon ancien parti qui ont pensé me sanctionner par leur missif que je vous ai montré ici. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Deuxième élément. Donc, en disant cela, c'est aussi ignorer qu'il y a plein de personnes, plein de personnalités du Sud qui sont dans la majorité et qui soutiennent les démarches républicaines. Parce qu'ici, c'est la République contre l'irrationalité qui veut nier à la République certaines prérogatives, dont la révision constitutionnelle. Premier, et ça, c'était pour vous répondre. Maintenant, pour ce qui est de la machine du divorce. En fait, c'est pas moi qui ai constaté les divorces. Les divorces, tout le monde a vu que notre frère, revenant de voyage, il a failli aux habitudes de Katumbi. Même quand ce n'est pas important, il disait toujours, il m'a envoyé à une chef de l'État pour voter moi. Nous tous, on est habitués à un Katumbi comme ça. Maintenant, Katumbi a changé. Alors, au lieu qu'on se batte, hein? Au lieu qu'on en arrive à prendre des procédures pour le mettre dehors, parce que ces procédures sont prévues dans la loi, il sera mis dehors. Alors, au lieu qu'on il en arrive. Serait où il sera, vous le confirmez bien. Je dis qu'il sera, c'est légal. Quand on s'oppose à celui qui vous a mis là-bas, au président de la République, vous allez être mis dehors. Ce n'est pas que je le hais. Je crois que j'ai avoir dit même sur notre chaîne, ici même, que le moment venu. Nous pouvons faire même le même travail que nous faisons pour son frère. Apparemment, nous pouvons aussi le faire. Tire les informations des canons tout à fait officiels. Allez. Non, non, c'est la loi, mon frère, c'est ça, ça marche comme ça.
Si vous vous opposez, vous devez prendre les conséquences. Au lieu qu'on vous mette dehors, je crois qu'il a, il doit grandir. Excusez-moi, je me suis dit, donnez-moi même 30 secondes. Allez-y. Oui. Donc, je pense qu'il doit prendre de la hauteur et sortir la tête haute. Ce n'est pas bien qu'on en arrive à le faire sortir comme on a fait sortir le monsieur Vital Kamerhe. Je crois que la fraternité entre lui et Joseph Kabila ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, ils peuvent se brouiller. Demain, ils vont encore s'entendre. Nous sommes en politique. Ce sont les intérêts qui unissent. Nous allons encore le faire ensemble. Vous avez vu les pas du président de l'Assemblée. Nous le notons qu'il a fait tel pas. Nous sentons qu'il a la volonté d'aller de l'avant. Donc, nous voulons aller de l'avant. La République, c'est la République de nous tous. Il n'y a pas de plus élite que d'autres. Aujourd'hui, ce que Koufi peut faire, José Mkendi peut le faire mieux. Et nous ne devons pas chercher à chercher le coup sur la tête des gens avant le moment. Voilà. Madame Monsieur Semerazine, tu refermes. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le premier pour l'an 2015. L'on se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion, c'est pour lundi à 14h. Bonsoir, chez vous.